Coucou les Forzinotes. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de boîte de boules dinosaures. Et c'est 5 surprises. Donc on se voit avec Thibaut, comme ça c'est Thibaut qui va ouvrir la boule. Donc tu la montres. Voilà, donc pareil que les systèmes des boules de chiens rescue, pet rescue, des licornes, ça c'est tout dans le même truc action. Et donc bah, vous trouvez la même chose pour 3,99€. Voilà, c'est parti pour l'ouverture. Alors ça risque d'être long parce qu'ils nous en mettent à chaque fois du papier, hein. Oh, la boule devient noire et rouge. On a une Pokéball. Alors ça s'appelle Volcano Dino Strike. Surprise Dino, construis les dinos surprises par leur chasse et piège-les. Ah. Bon, j'arrive pas à faire la suite. On dirait une Pokéball par contre. Oui, effectivement. Mmh. Ça ressemble bien à une Pokéball. Donc Pokémon. Là, je vais l'aider à ouvrir comme avec l'autre. Et est-ce que ça fonctionne? Il y a un plastique autour. Il y a un plastique, attends. Regarde. On a encore un enlevé là. Allez, vas-y. Oh. Ouverture facile, pas très facile. Ouais. Ah voilà. Ah, c'est là où c'est marqué les 5 surprises. Là en gros, ouais, faut que tu fasses ça. Tu. Non mais lui il jette tout. Attends, t'as pas terminé? Tu pourras pas l'ouvrir. Attends, bah si, t'as terminé en fait. Non. Non, là, il y en a encore. Ouverture facile. Ah bah. Oh bah, c'est bon. Voilà quoi. Attention, t'as un petit papier. Donc le petit papier, il s'en fout. Oh, on dirait des bananes qui pendent. Des bananes qui pendent. Bah, elles sont pourries, ces bananes, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Alors. Bon, on va remettre en boule. Et ben dedans, il y a les différents dinosaures qui existent. Comme ça, il peut cocher. Hop. Alors, on commence par les petits. Et comme ça, il peut savoir où il y en est. C'est une collection aussi de 8 dinosaures aussi. De 4, 5. Ah. 6, 7, non, non, 8, 9, les 10, de 10 dinosaures différents, dont 2 rares. Les 2 rares sont en doré ici. Comment on fait à ton avis? On enlève en haut. Oui, mais j'ai... Tu es trop énervé. J'arrive pas. Alors tiens. La première. Un par un. Ok, par là, on va faire partir. Deux pattes. Oui, exact. Deux pattes. Donc ça, c'est orange. C'est une patte avant, une patte arrière, je crois. Regarde. Oui, tout à fait. C'est pas pareil. Deuxième. Attention. Encore deux pattes. Celle-là, c'est les pattes arrière. On voit qu'elles sont plus dodues pour bien pouvoir courir. Ce sera un T-Rex. Et les deux pattes. Ce sera un T-Rex, tu crois? L'autre côté. On va voir. Ah, là, normalement, c'est déjà. C'est un piège. Oui. Regardez, un piège à dinosaures. Ils sont.
T'as vu, ça tourne ça. Et puis sa queue. Alors. Et là, tu dois voir le reste. Est-ce qu'on a connaissance de dinosaures là? C'est ou pas du tout? Je crois. Alors, déjà, on va commencer à monter. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce qu'il faudrait? Ouais, c'est parce que certainement sa tête bouge. Par contre, tu devrais d'abord commencer par tes pattes. Non, c'est sa queue peut-être qui bouge. Non, les deux. Regarde, c'est les deux qui bougent. Oui, mais là, c'est peut-être la queue. Non, où tu étais? Où tu étais? Monsieur n'est pas fort en puzzle. Ouais, mais regarde si tu l'as mis à l'endroit. C'est à l'endroit. Non, mais casse le bas, c'est pas l'idée, quoi. Ouais, pas. On va déjà passer aux pattes. Ça, c'est des... pattes arrière. Des pattes arrière. Donc la queue sera ici, on est, tu vois, on se repère. Attends. Ah. Mais tu n'as pas pris de patte arrière? Tu as pris une patte avant, Thibaut? Bah non, c'était ça la patte. Mais arrière. Non, les pattes arrière sont des grosses pattes. Ah là là. Et attends, c'est celle-là de ce côté. Non, c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là ici. Allez, on fausse bien tes pattes. Tu veux qu'on ait pas bien les dinosaures, maman? J'arrive pas. Bon, heureusement que je suis là, voyez. Alors, déjà, comme c'est là, j'avais bien dit que c'était pas la bonne patte, mais monsieur. Moi, je croyais que c'était non ses dents, qu'à ça. Sa tête. Et là, on est d'accord, la patte fonctionne, hein, d'accord. Je croyais, en fait, c'était ses dents, ça. N'importe quoi. C'est dans la boutique. Mais en fait, non, ce n'est pas des dents. Tu tentes les pattes avant ou pas? Je vais essayer. Donc là, ici, c'est celle-ci. Hein. Ok. Attends. Seul. Pas seul. Besoin d'être violent, mon fils. Voici la deuxième patte avant. C'est pour toi, sans boîte. Et tu n'as pas besoin de taper, Jay. Appuie avec tes doigts. J'arrive pas. Bon, donne-moi ça. J'ai arrivé le premier, mais pas le deuxième. Ah, mais tu t'énerves. Voilà. Oh, tu vais. Contre, la patte là, elle est handicapée. Ah non, il y a une patte qui est relevée. D'accord, comme quand il marche. Donc la queue, on va la mettre à l'arrière. Oui. Attends. Ouais, c'est bien ça. Voici la queue. Avec un mécanisme. Et sa tête, tu essayes ou pas? Faut pas la casser, hein. Déjà, il faut faire ça. Et je n'arrive pas. C'est le coup. Déjà, on va dans l'ordre. On commence à mettre le premier. Donc là, quand on voit que c'est l'encoche, elle est en haut, ici. Attends. Le petit piège. Voilà, ma patte. Hop. D'ailleurs, voilà. Le piège, il est en or. C'est du cuivre, sans doute. Casse pas le reste. Il n'y a pas d'encoche, hein. Là, il n'y a pas d'encoche, il suffit de la serrer. N'y arrive pas. Et donc, c'est lui, regardez. Ah. Oh, je crois. C'est emboîté. Le piège qui prend sa patte dans le piège, c'est pour ça qu'il y a sa patte qui se relève. Je suis pas assez doué en dinosaure, apparemment. Comme ça. Voilà. Donc oui, mon fils, c'est un... Diplodocus. Un Diplodocus, voilà. Wow. Donc voici le premier de la collection. Alors après, à voir si vous voudrez continuer ou pas.
Mais au moins, il aura tenté déjà de voir ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé concrètement? C'est bien. Parce qu'il aime les dinosaures depuis toujours, donc voilà, c'est ça aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de plus en plus de garçons où ça aide beaucoup plus des dinosaures que même des voitures et tout en ce moment. Donc voilà. Donc ben franchement ça va et la qualité est correcte. Après bon hein, il faut une petite tête pour le monter apparemment. À moins que c'est juste c'est vrai que c'est aujourd'hui c'était une journée nerveuse, ce qui fait qu'il n'y était pas hein. T'étais pas tant le calme pour monter ton dino. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que tu il en bouge. Es... Est-ce que t'en es content? Oui. Oui. Bon, bah alors. Il bouge. Dis au copain combien tu lui donnes de notes sur 5. Sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. T'as le droit de dire moins. Hein. Mais c'est 5 sur 5. 5. Ok, d'accord. 4 bon, sur voilà. 5 pour la complexité du montage. Alors, 4 sur 5 de la part de Ninon pour la non, complexité je rigole. Du montage. Non, mais je rigole. C'est sa note amie que j'aurais dit. Mais 5 sur 5. Mais sinon, ça c'est va, bien. Il est beau, il est de bonne qualité. Donc, franchement, ça bien va. Bien sur 5, maman. Bah, moi, je le trouve bien. Franchement, je le trouve correct. Juste peut-être je mettrais 4 pour j'aurais mis une couleur qui est plus plus naturelle voilà. Mais bon ça c'est après on joue avec les mots hein, voilà. Donc ben, maintenant on va vous souhaiter une agréable fin de journée. Amusez-vous bien et puis on vous dit donc ben, ça y est il est parti là, vous... Mais il est fou cet enfant, je vous le dis. Déjà pour qu'il arrive jusqu'à là, il faut y aller. Hein. Et on vous dit donc. On dit quoi hein? On rigole. Qu'est-ce qu'on dit? J'arrive à le dire, rigole trop. Alors tu leur dis? À très bientôt. À très bientôt, il va aller rigoler maintenant, voilà. Allez, des gros bisous. Bye bye. C'est pour ça que tu rigoles.